C'est un bâtiment d'Auguste Perret qui a été construit dans le milieu des années 30. L'origine du bâtiment, ça devait être un musée des travaux publics. C'est pour ça que c'est un vaste bâtiment. Il y avait des maquettes, etc. Le CESE y est arrivé en 58. Et depuis, c'est le CESE qui est le siège de ce palais. Donc un très beau palais en béton. Peut-être froid pour certains, mais avec beaucoup de charme quand même. C'est une prouesse d'architecture. Hein. Toutes les écoles d'architecture viennent le voir, puisqu'en fait, il a une double ellipse et sans aucun poteau central. Donc, c'est une prouesse architecturale.